Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive. Là aujourd'hui ça porte bien son nom. Voici la toute nouvelle Mercedes AMG GT. J'avais hâte de l'essayer cette voiture parce qu'elle est basée sur la même plateforme qu'une autre. On en reparle un petit peu après, mais je voulais voir ce que ça donne. Et j'avais fait la AMG GTR que j'avais adoré. Je voulais voir quelles sont les évolutions. Est-ce que ça reste toujours une GT? Et voilà, on va l'essayer sur tout type de route, toutes conditions. Je vous donne toutes les caractéristiques de cette voiture et on se refait un petit débrief à la fin. Le partenaire de la vidéo aujourd'hui, c'est Car Vertical. Grâce au lien dans la description, vous avez moins 20%, mais je vous en parle un petit peu plus parce que tout le monde parle de Car Vertical. C'est un site qui vous permet de savoir les antécédents de votre voiture. Ça, peu importe, une Citroën, une Mercedes ou autre. Là, d'ailleurs, je me suis fait un petit rapport sur une Audi R8, parce que Audi R8, c'est des voitures qui montent en cote petit à petit. On peut des fois trouver de bonnes affaires, mais qui n'en sont pas forcément. Compteur kilométrique, ça a l'air bien. Statut financier et juridique, bah, ça va. Par contre, dommage, ah, là, ça sent pas bon. Vérifié dans 31 pays, et on peut voir les photos. Ah là là là, au niveau des photos, ça sent pas bon. Ouh, elle a bien tapé celle-là. On peut voir 107 000 km. Ouais, elle a bien roulé. Et, ah ouais, ah ouais, ah oui, ouf. Ah ouais, et donc là, on a un rapport complet et détaillé de cette voiture sur tout ce qu'elle a pu subir. Et quand on va un petit peu plus bas, on peut voir le compteur kilométrique a bien évolué. Donc, pas de compteur trafiqué. Elle a été réparée en Suisse entre 50 et 60 000 euros de frais. Ah, ça commence à faire pas mal. Et une deuxième fois encore, entre 1500 et 3 000 euros de frais. Donc, elle a tapé deux fois, elle a eu deux petits problèmes. Donc ça, ça permet de connaître l'historique parce que beaucoup des voitures sportives, surtout, sont importées d'autres pays, des pays de l'Est, et etc. Et souvent, il les répare un petit peu, il les ramène sur le marché français. Attention à ça. Donc, Car Vertical, je vous le conseille, ça vaut pas très cher. Vous avez moins 20% grâce au code MECA que vous voyez là et le lien qui vous amène directement au site internet avec la réduction qui est activée. Donc, cette nouvelle Mercedes AMG GT, elle commence à partir de 199 750 euros. Sans option. Après, vous pouvez l'optionner un petit peu. Je me suis fait une config royale. J'étais à 241 000 euros. Et comme nous sommes chanceux, nous vivons en France, enfin en tout cas moi, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs d'où vous venez dans les commentaires. Mais chez nous, on a le droit à 60 000 euros de malus supplémentaire, ce qui nous en fait une petite version aux alentours des 300 000 euros si on est intéressé par cette voiture. On peut avoir un petit peu moins, bien sûr, selon les options qu'on va choisir. Mais quand on s'achète ce genre de voiture, souvent, on les optionne assez bien. On s'en fait des belles configurations. Et on va dire, on va tourner assez facilement autour des 300. Avec le malus compris, sinon, entre 220 et 240. La AMG GT, ils s'en est vendu quand même pas mal. Hein, parce que c'est une très bonne voiture à tout faire. On peut s'amuser, c'est un caractère sportif. C'est une très bonne GT, il y a du coffre. Et cette fois-ci, elle passe en 2 plus 2. 2 places à l'avant. Ça, c'est des vrais. 2 places à l'arrière. On va voir. Je vais aller m'installer. Vous allez voir, vous allez rire un petit peu. Qu'est-ce que c'est? Ça reste une version 63, l'AMG GT 63. Enfin, ou la 63 AMG, ou la GT 63 AMG 9tronic, 4matic plus. Ça fait des longs à rallonge, mais il y a beaucoup de technologie sur cette auto. V8, 4 litres. Biturbo, comme on connaît très bien chez Mercedes. Pas d'hybridation sur celle-là encore, mais ça va arriver normalement, prochainement, de ce que j'ai compris. 585 chevaux, 800 Nm de couple répartis sur les 4 roues motrices, parce que c'est une 4matic plus. 4matic plus, ça permet de garder un comportement un petit peu joueur, et elle va répartir d'elle-même entre l'avant, l'arrière, etc., pour rendre cette voiture la plus efficace possible. Mais le 4matic plus n'est pas forcément que l'efficacité, c'est également un petit peu de fun. Elle est typée un petit peu plus propulsion pour pouvoir s'amuser. Un 0 à 100 en 3 secondes 2, on va bien sûr l'essayer avec le launch control. Comme d'habitude, vous me connaissez, j'adore ça. Et une vitesse maximum à 315 km/h. Ça, malheureusement, n'habitant pas en Allemagne, on ne va pas pouvoir l'essayer. Donc, deuxième génération, la première était sortie en 2015, en fin 2023, ils ont sorti et annoncé celle-ci. Elle commence à être livrée un petit peu partout. Cette nouvelle version s'est allongée énormément, plus 18 cm de long. Ouais, ça commence à faire une sacrée différence. Et c'est vrai que là, quand je me mets là, bah, ça fait une très très longue voiture. Je pense que ça fait la longueur d'un Hyundai Tucson, le truc, pour vous faire une idée. 18 cm de plus que l'ancienne version, donc ça amènera plus de stabilité puisque c'est plus long. Au niveau de l'empattement, elle fait 2,70 m, c'est 17 cm de plus qu'avant, donc entre l'axe de la roue avant et l'axe de la roue arrière, plus 17 cm, c'est quand même énorme. Après, toujours une voiture très large, bien posée, 1,98 m de large, sans compter les rétroviseurs, et une hauteur de 1,35 m, ça reste une voiture sportive, donc ça se veut pas trop haut. Mais ça reste une GT, donc c'est pas trop bas non plus.
Au niveau du poids, on est aux environs de 2000 kg. 2000 kg, pourquoi? Parce que déjà, on a un moteur V8, c'est lourd un moteur V8. On a une transmission intégrale, on a 4 roues directrices. Tout ça, c'est plein de technologies qui font que ça alourdit. On a des sièges à l'arrière cette fois-ci, on a quand même un grand volume de coffre. Elle s'est allongée, et d'ailleurs, elle s'est allongée parce qu'elle reprend exactement le châssis de la Mercedes SL, la SL63MG qu'on avait essayé. J'étais d'ailleurs un des premiers en France à vous faire l'essai. Vous aviez adoré, j'espère que ce sera la même chose pour cette voiture. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous aimez bien. Donc 2000 kg, on verra si ça se fait ressentir ou pas pendant la conduite de ce joujou. 4 roues directrices, vous allez voir, ça c'est assez bluffant. Pour quelqu'un qui n'a jamais essayé 4 roues directrices, c'est vraiment le truc à tester. On a des nouvelles signatures lumineuses à l'avant et à l'arrière, on y revient dessus après. On a les feux Digital Light qui font leur apparition sur cette voiture. On a un design revu, mais on garde quand même l'ADN de la MG GT avec un très long capot. Toujours le moteur en position avant, mais cette fois-ci, ce n'est plus qu'une propulsion, c'est une 4 roues motrices, forcément. On a le lift, bien sûr, qui est disponible sur cette voiture. On a une suspension pilotée qui va radicalement changer cette voiture en vrai GT, puisqu'on va avoir du confort en même temps de la sportivité. On a un diamètre de braquage en 12,50 m, ce qui est plutôt bien pour une voiture sportive. On pourra mettre 70 litres d'essence là-bas à l'arrière, ce qui permet de faire des trajets assez corrects avec 70 litres. On verra également les consos que ça donne. Je vous fais de l'autoroute, je vous fais de la route et du sportif. Des jantes en 20 pouces ou en 21 pouces. On pourra avoir des jantes forgées avec des magnifiques jantes forgées gold, canon. Je me suis fait une petite config, comme je vous disais, j'ai adoré. Elle sera disponible dans pas mal de coloris. Si vous voulez les bleus spécifiques, comme ce bleu mat un petit peu qui est chez Mercedes, ce sera 7000 euros. Sinon, on sera entre 0 pour quelques couleurs. Le jaune, par exemple, est gratuit. Entre 700 et 7000 euros, selon les options que vous choisirez. Là, vous avez un de mes points de vue préférés. On peut voir capot extrêmement long. Cette bouche est énervée. Le petit rétrocarbone sur le côté. Cette sorte de biton parce qu'on a un toit vitré là-haut. Mais ce long capot avec ses nervures ici, côté très élargi, très posé, ça rend cette Mercedes incroyable. Et j'adore ça depuis les SL à l'époque. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Les pincements, donc ça c'était réservé à toutes les MG avant. Maintenant, c'est devenu la norme sur tous les modèles de chez Mercedes. Et sous ce capot, lorsqu'on le soulève, on peut le voir ici, le moteur V8 4 litres. Je vais vous l'ouvrir, j'aime bien quand même. Donc ce très très long capot en aluminium et aluminium pour le capot, dit carrosserie également en aluminium pour réduire le poids parce que on joue quand même un petit peu sur le poids. Donc ce gros moteur en position ici, au-dessus des roues, il n'est pas aussi reculé qu'avant, j'ai l'impression. Il est positionné là, il est plus en position centrale, donc à voir ce que ça va donner pour l'équilibre de cette auto. Toujours la petite signature du monsieur qui assemble ce moteur à la main, les deux gros turbos qui sont un petit peu ouvert ici, gros badge AMG, et les entrées d'air qui viennent gaver l'admission ici pour pouvoir alimenter ce moteur. Et vous verrez, le turbo se fait pas mal entendre lorsqu'on roule. Un peu plus bas, on arrive sur les feux Digital Light, 1,3 million de pixels par phare, ça c'est juste exceptionnel. Je l'avais déjà essayé sur certains modèles, je vous en avais fait des vidéos. Et la grosse calandre, ce qu'ils appelaient la Panamérica à l'époque, avec toujours ces lignes verticales, ce gros logo Mercedes au centre, qui, waouh ! À chaque fois, c'est incroyable, et ce gros logo Mercedes qui intègre toutes les aides à la conduite. Donc, grâce au capteur intégré ici, plus les caméras là-haut, on aura la conduite de niveau 2, centrage de voie, etc. Chez Mercedes, ils ont l'habitude. La plaque est positionnée assez basse, alors ça, je trouve ça joli, qu'elle soit bien positionnée, elle est à un support où ça fait plutôt joli. Et ensuite, une autre lame en carbone ici, puisqu'on a un pack carbone, qui laisse rentrer de l'air un petit peu plus bas pour les radiateurs d'huile, les radiateurs de direction. Il y a vraiment des radiateurs posés partout derrière cette face avant. Et on n'a pas de radiateur sur les côtés. Souvent, vous savez, chez Mercedes, ils avaient des entrées également sur les côtés. Là, tout est concentré sur la partie avant. Le petit badge ici de Affelterbach, où sont fabriqués les AMG. J'adore vraiment ce look. Et plus on se met bas, plus elle a l'air agressive. On dirait un fauve prêt à vous sauter dessus. Au-dessus du logo, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a une caméra ici. On a des caméras dans les rétro. Caméra 360. Ouais, c'est certes une GT, mais c'est une GT de luxe. Donc là, on peut voir que c'est une voiture vraiment longue, posée. Et ce que j'adore, c'est d'avoir des grandes roues qui remplissent bien les arches de roue. Ça, c'est le rêve de tout designer automobile, faire des grandes roues sur une petite voiture. Donc là, c'est bas, grande roue, le top. 4 roues directrices, comme je vous disais. Ça braque jusqu'à 4,5 degrés à l'arrière.
On a des jantes aujourd'hui qui sont plutôt sympathiques avec ces appentices aéro qui amènent un petit peu de style, qui comblent un petit peu ce qui manque parce qu'on a des gros disques, mais ce n'est pas les plus gros. On peut avoir les disques en carbone céramique pour seulement 9000 euros supplémentaires. Disque carbone céramique, si vous ne faites pas de conduite très très sportive, je vous les conseille pas vraiment. Ceux-là sont plutôt bons, ils chauffent peut-être un petit peu. On a un ressenti un petit peu différent à la pédale si on attaque vraiment. Mais bon, après, des bons disques acier, ça fait le job largement et souvent c'est mieux que les carbones céramiques pour le quotidien. Au niveau de la taille de jante, on aura le choix entre 20 pouces ou 21 pouces avec du 295 à l'avant et on est en 305 à l'arrière. Donc même à l'avant, pour vous dire, 295 c'est extrêmement large, il y a très peu de voitures qui ont ça même à l'arrière. 305 à l'arrière, bon, c'est une bonne monte. On peut faire des fois un petit peu plus large, mais pour l'avant, ça annonce quand même beaucoup de grip. Et ça joue, ça va jouer sur pouvoir directionnel, mais aussi, comme c'est une 4 roues motrices, pour motricer et partir de 0 pour monter jusqu'à 100, c'est là que ça va nous aider énormément parce qu'on a beaucoup de poids sur l'avant, puisque le moteur est là, et la transmission à l'arrière, plus le 4 roues motrices, au final, ça va bien gripper, et vous allez voir, avec le launch control, ça marche plutôt bien. Sur le côté, le véhicule biturbo avec des ailes extrêmement élargies, et cette petite partie, juste pour faire jouer. Alors ça, c'est le reproche que j'ai à faire à Mercedes, c'est que toutes les voitures, même les plus sportives, à chaque fois, ça c'est juste un insert décoratif et ça ne fait pas vraiment sortir de l'air. Je pense que ça pourrait servir une vraie fonction. C'est un petit peu dommage. Mais c'est écrit V8 biturbo ici, 4matic plus, pour vous rappeler ce que c'est. Ensuite, sur le côté, à part cet avant extrêmement élargi, on voit des lignes ultra fluides, des poignées affleurantes maintenant, donc comme sur la classe S, comme sur les EQS, comme toutes les voitures un petit peu haut de gamme, elles sont affleurantes, c'est la même poignée à chaque fois, qui sort lorsqu'on approche la main ou qu'on déverrouille le véhicule. Et ensuite, pareil, beaucoup de rondeur, tout comme là, toujours un peu cette forme goutte d'eau que j'aime beaucoup sur l'AMG la précédente. Les rétros en carbone, puisque c'est un pack carbone, donc on a la lame en carbone, les rétros en carbone, la lame avant carbone, diffuseur arrière en carbone. Et il me semble que pour le pack carbone, on est aux alentours de 5200 euros. La Sono Burmester à l'intérieur, c'est 4500 euros, 9000 euros, comme je disais, les freins en céramique, pour ceux qui aiment bien les prix. Le pack aéro, c'est 3500 euros supplémentaires. Bref, il y a plein de petites options comme ça, mais on a seulement 40 000 euros d'options sur cette voiture, ce qui reste très très peu. Sur l'arrière également, on a cette partie bombée. Regardez, selon le profil, vous allez voir surtout sur l'arrière, on a une aile extrêmement bombée. Je trouve ça vraiment joli. Les quatre roues directrices, elles ressortent vraiment bien. On voit que le carrossage a également été énormément travaillé. Il y a un carrossage de piste presque sur les roues arrière. Ça, c'est assez impressionnant. Et également, la suspension pilotée. Alors, chaque roue est reliée à une centrale et elles sont toutes reliées entre elles. Et en fait, elles agissent toutes ensemble. Il y a une sorte de système en H, de ce que j'ai compris. Et c'est assez bluffant parce que ça reste très confortable, à la fois dynamique, mais même en sport plus ou en race, eh bien, si vous passez sur un gros vibreur ou autre, eh bien, la voiture va rester hyper confortable et stable. Et ça, c'est un plus. Un petit bout de trois quarts arrière, parce que vous savez que j'aime bien les trois quarts arrière, et c'est peut-être mon seul reproche sur cette voiture, c'est le trois quarts arrière, je le trouve un peu mou, vous voyez, c'est un peu guimauve, comme les anciennes. C'est l'arrière que j'aimais pas trop, avec les feux, je trouvais pas fan. Là, les feux arrière par contre, magnifique. Par contre, on garde toujours ça, et ce que j'aimais beaucoup, c'est sur la GTR, parce que l'aileron amenait beaucoup plus de côté agressif comparé à la version standard. Et j'ai hâte qu'ils sortent une version GTR de ça, j'espère qu'ils vont la faire, parce que ce serait incroyable. En tout cas, voilà, cet arrière, c'est très, très lisse. Et on a ces petits ailerons ici qui peuvent se relever. Et en aérofrein, ils se relèvent encore plus haut. Et ça, c'est vraiment cool. Bon, et sinon, vous voyez, hein, là, tout ce côté et cette partie bombée. Sur la partie arrière, donc les blocs optiques qui ont beaucoup évolué, en plus qui sont ralliés par ce bandeau au centre, c'est la nouveauté hein, également chez Mercedes. Et surtout, ils sont 3D. On a vraiment une forme ici assez sympa. J'aime bien. J'ai toujours pas vu le clignotant. Bougez pas. Hop, ouvre-toi, petite poignée. Il est où le clignot? Ah, il est en bas, un long défilant ici. Stylé, je ne l'avais pas vu jusqu'à là. Et souvent, quand on conduit la voiture, c'est plus compliqué de le voir. Le MG ici de ce côté-là, le GT63 de l'autre côté pour nous rappeler la motorisation. Dommage que ce ne soit plus les V8 6 litres 2 comme à l'époque. Mais vous allez voir que ça marche assez bien, 585 chevaux. Surtout le couple, 800 Nm. Ensuite, on retrouve donc cette partie avec l'aileron qui va se relever. Je vous le montre pendant qu'on roule. Et le feu de recul à cet endroit-là, la caméra qui va sortir du plein centre, ça c'est bien chez Mercedes, ils rangent les caméras pour ne pas qu'elles soient sales, parce que vous imaginez un diffuseur comme ça, ça va relever quand même pas mal de poussière. Diffuseur en carbone, du vrai carbone et des vrais échappements sur le côté ici avec 4 échappements, mais ouais, il y a vraiment 4 tubes, mais c'est plus des enjoliveurs d'échappement, c'est plus maintenant du tout
la partie qui vient directement du silencieux. Mais ce diffuseur carbone est très très joli, avec ici une partie peinte ici. Ah, ils ont fait un dégradé de couleur du carbone au noir. Ça, c'est très sympa aussi. J'avais pas fait attention à ce détail. Les petits capteurs de parking, la caméra également, comme j'ai, caméra 360. Et l'avantage de cette voiture, c'est que c'est une vraie GT. Donc, vraie GT veut dire coffre. 2 plus 2, on peut rabattre la banquette arrière si l'on souhaite, mais surtout un grand coffre. Alors, hop, regardez, un petit peu de souplesse. Hop là. Aïe, hop, hop. Tadam! Alors, on pourrait peut-être pas m'enfermer. Ah si, quoique, si je me mets là, comme ça, là, je me baisse un petit peu plus. Et si on pourrait m'enfermer dans le coffre, sans problème. Il y a quand même pas mal de volume. Alors, je n'ai pas pris le volume par cœur, mais je vous le mets là, quelque part en bas, ou par là, ou là. Tiens, là, c'est bien, là. Triangle de signalisation ici. De quoi rabattre la banquette électriquement, directement ici, pour rabattre... Et que ce soit plus facile, parce qu'on ne va pas non plus appuyer sur des boutons. Il y a des rangements là, des filets là, un petit filet là, encore un rangement là. Et ben franchement, il y a de quoi partir en week-end sans problème. À deux, c'est large. Et même si madame emmène beaucoup, beaucoup d'affaires, pas de problème. Il reste au cas où les deux sièges arrière. Ou si vous partez à quatre, il faut prendre des petits-enfants, des tout petits-enfants. Bon, et comme je n'ai pas mangé à midi, il me reste des dragibus là, que j'avais piqué chez Volkswagen l'autre fois, vous vous rappelez? J'avais piqué un sachet en plus. Et la banquette, elle est en une seule partie, avec des fixations top taser. Ah, par contre, les ceintures ne se remettent pas bien. Il faut le faire derrière. Bon, vous me connaissez, je me plierai en quatre pour vous. On va voir ce que ça donne ici, au niveau des places arrière. Donc, je tire sur la petite languette ici, qui m'avance le siège électriquement, puisqu'on a des sièges électriques, bien sûr, sur la partie avant. Donc, Nicolas, le grand Adec, il mesure 1m80. Oula, oula vache. Voilà. Ça, c'est ma position à l'arrière de cette voiture, ou comme ça. Autant vous dire que personnellement, je ne souhaite absolument pas... Arrête, arrête. Si, ah, il y a quand même un retour de force qui fait que ça peut comprendre qu'il y a quelqu'un derrière, au cas où. Mais cette banquette extrêmement droite, comme je dis, c'est vraiment fait pour des petits-enfants. Je pense que plus d'un mètre 40, ce sera compliqué ici. On a quand même des ISOFIX à l'arrière, donc pour les sièges bébés, ça peut être pratique. Top taser également, ici. Les ceintures, en fait, c'est parce qu'elles n'étaient pas mises en petit coin, c'est pour ça qu'elles se sont mises entre les sièges. On a des haut-parleurs ici à l'arrière. Et si on est tout petit, on a quand même une vue sur le ciel. Sinon, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, c'est très doux, ça, l'Alcantara. Et en plus, il est un petit peu moussé, donc ça permet que ça amortisse un poil. Bon, allons voir l'avant, directement. Et il y a des petits filets ici, également. Ça, c'est bien. Il y a quand même pas mal de rangements entre le grand coffre. Ici, si on peut poser des bagages cabine, plus un petit peu derrière les sièges, bon, ça va, c'est pas trop mal. Allez, allons découvrir l'intérieur de ce SL. Il nous accueille comme ça, porte ouverte. Bon, ça reste une Mercedes, ce SL. Putain, je vous dis n'importe quoi. Vous me dites rien. Cette nouvelle Mercedes AMG GT SL, parce que c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, on a le tout en dur. Bref, les portières, ici donc tout en cuir, très belle finition, du cuir jusqu'en bas dans les portes. Les haut-parleurs ici, de quoi ouvrir le coffre à distance. Bandeau LED, des LED là-dedans, à l'intérieur ici, des LED qui font tout le tour. Bref, Mercedes quoi. La Sono Burmester à 4 500 €, que je vous recommande si vous aimez la musique. Mémorisation des sièges sur plusieurs positions. Siège chauffant, siège ventilé, et je peux régler le siège de droite directement en appuyant sur R pour Right et bouger ici directement. Verrouillage du véhicule et seuil de porte AMG qui sont rétro-éclairés pour la nuit. Les sièges donc avec les réglages directement sur la portière. On peut le voir, donc on n'a pas autant de réglages que d'habitude parce que c'est des sièges qui sont un petit peu sport. On peut régler l'appui-tête également directement de la porte. De ce côté-là, pédalier Mercedes, comme on connaît, hein, sur les versions AMG, pédalier alu, les sièges AMG, quelque chose de très simple. De ce côté-là, on règle la partie feu et le frein de stationnement à cet endroit-là. Le volant est réglable ici électriquement et on peut voir la touche volant chauffant juste ici. Allez, je viens m'insérer à l'intérieur pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais me remettre dans la bonne position. Hop. Et voici à quoi ressemble l'intérieur de cette voiture. Alors, hop, il me ramène à ma position, ensuite je vais me reculer. On peut le voir sur le haut, je vais commencer par le haut. Le toit vitré, donc ça, ça fait du bien. Il n'est pas ouvrant, il est juste vitré avec un store manuel. Donc d'à côté, c'est plus rapide, c'est pas plus mal.
Je commence par le haut aujourd'hui. Rétroviseur central ici, sans bord. Et il fait vraiment très très chaud par contre. Ah, je vous ai pas fait écouter le moteur à l'arrière. Il va falloir que je vous fasse écouter. Alors, je vais la démarrer. Je vais au moins m'ouvrir les fenêtres. Oh. 20 degrés, mais au soleil, ça tape. Volant. Mercedes ici, on a pareil plusieurs choix avec les doubles branches, les simples branches, comme on souhaite. Comme d'habitude, au volant, petit méplat en bas, le AMG ici. Et non, je vais être obligé de vous la démarrer. Oh, ça, j'adore. Et ça chante dehors. Et ça fait du bien. Bon, la clim, elle va tourner, ça va faire du bien. Bref, vous connaissez. L'écran ici, ce qui est arrivé sur la SL, ce qui est arrivé sur les nouvelles classeuses, ce qui est arrivé sur quasiment toutes les voitures de nos jours, avec cette grande dalle ici qui fait quasiment 12 pouces et cet écran là qui fait pareil, environ 12 pouces de diagonale. C'est assez joli. La casquette ici avec ce compteur de cette façon, c'est très sympa. On a une bonne visibilité dedans, il est bien contrasté, c'est très joli. On voit que c'est un écran haute qualité. Ensuite, on a les petits satellites à cet endroit-là. Alors ça, c'est le truc que j'adore chez Mercedes pour changer de mode. Donc par exemple, confort, sport, sport plus. Et ça me change le régime moteur, ça me change plein de choses. Et surtout, écoutez. bref, ça rend grand enfant. Et le mode race. Ensuite, tout est paramétrable juste ici. Lorsque je vais personnaliser mes modes et le mode individuel, on va avoir le mode neige, le mode individuel que je personnalise comme je veux, confort, sport, sport plus et race. En sport plus et race, ça ouvre tous les échappements et ça met vraiment tout au max. Et c'est très très sympa. Ensuite, on a celui-ci qu'on peut personnaliser avec tous les boutons qu'on veut. L'échappement, la boîte de vitesse, le start and stop, MG Dynamics, donc ça c'est les contrôles du châssis, le lift à l'avant avec la lame, l'arrière ici, le SP, la suspension sport et l'échappement. Je peux couper le bruit d'échappement simplement de cette façon. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est assez sympa de le laisser ouvert si on aime ça. De ce côté-là, toutes les aides à la conduite et cette partie-là qui gère l'écran d'ici. Comme d'habitude, on peut régler, bien sûr, hein, à chaque fois ces écrans comme on le souhaite. On peut, bien sûr, retourner à un classique, comme on a l'habitude, hein, sur une classe A, par exemple. Mais j'avoue que j'aime bien le Super Sport. Il est pas mal et surtout, ça modifie un petit peu l'ambiance également que vous allez avoir à cet endroit-là. Sinon, on a cet écran avec, comme d'habitude, les raccourcis ici. On a tout, c'est très rapide, très efficace. On a même le track pace ici pour aller se faire des chronos, les drag race pour les mesures de vitesse, etc. On va pouvoir mesurer le 0 à 100, le nombre de mètres en combien de secondes, etc. Bref, la full haute technologie. Les aérateurs comme d'habitude, non, ça je les trouve toujours très jolis en turbine d'avion. On en a 4 sur la partie avant. La boîte à gants ici, pareil, qui est très bien finie en cuir avec le bandeau LED qui passe, qui fait le tour. On a du LED ici, je vous referai un petit bout de nuit. À l'intérieur ici, toujours 2 ports USB, ça c'est ce qu'on a chez toutes les Mercedes comme d'habitude. Ça ici, donc maintenant on appuie le pad, donc c'est juste de quoi poser sa main pour se reposer. Et de ce côté-là, 2 ports USB à l'intérieur. C'est pas très profond, mais bon, comme on dit, il y a déjà du rangement partout à l'arrière. Et regardez là, si vous n'êtes pas 4, eh bien ça fera largement l'affaire. Bref, voilà une voiture comme on a l'habitude chez Mercedes. On n'a pas forcément de grosses surprises. Bref, une voiture comme on a l'habitude chez Mercedes. On n'a pas vraiment de grosses surprises, mais c'est surtout ce côté-là, moi, qui m'amuse. Bon, je pense qu'on est tous d'accord. Vous voulez l'écouter ? D'accord. Et avant, si vous êtes gentil, vous pouvez cliquer sur le petit bouton s'abonner là. Ça m'aide énormément à vous faire ce genre de voiture et à pouvoir vous sortir des exclus assez souvent maintenant. Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, j'étais pas dehors, malheureusement. Mais ça chante plutôt bien. Allez, c'est parti à bord de cette AMG GT en version 63 V8. Ça
voiture qui me tend bien, qui me dit « Écoute, tu vas pas bouger de ces petits sièges sportifs. » Le son, là, je suis en mode confort. Je suis même pas en échappement ouvert. Oh, la différence est incroyable. Oh là 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 là, ça là. C'est parti, on va s'amuser. Bon, je commence en confort. Direction de Rueil-Malmaison ici à Fontainebleau. On va voir combien ça consomme. Voir sur une utilisation au quotidien, parce que ça reste une GT, elle porte bien son nom, c'est une GT. C'est joli, c'est spacieux, c'est luxueux, c'est une vraie GT cette voiture. Et c'est ce que j'adore le plus avec cette auto, c'est que c'est une GT, on peut l'utiliser au quotidien, on peut s'en servir tous les jours. En fait, on voit que c'est agréable à conduire. Oh, et ce V8, mais c'est pas un V8 doux comme dans une voiture luxueuse, c'est un V8 qui a l'air rageur. Et j'avais adoré sur la SL63, donc la SL, hein, comme je vous disais, qui reprend, enfin, qui a même fait ce châssis et ensuite qui s'est développé à cette AMG GT. L'onctuosité du V8, mais j'avoue qu'on l'entend, il est présent et ça fait plaisir. Et... on va rester en mode confort pour commencer. J'ai remis les consommations à zéro et on va voir ce que ça donne. Donc là, elle est déjà chaude parce qu'elle a déjà tourné un petit peu avant. Et on a bien sûr le start and stop, etc. Toujours la lecture des feux ici qui s'affiche au cas où vous n'avez pas envie de regarder. Ça peut se désactiver, bien entendu. Alors là, le start and stop ne fonctionne pas parce que là, je viens juste de remettre la clim, etc. Le temps que ça remette la bonne température dans l'habitacle. Mais le son qu'il y a à l'arrêt, j'ai l'impression d'être dans un gros muscle car américain. Et quand ils sont énervés les gens aujourd'hui, et quand j'ouvre l'échappement, là, il y a vraiment une sonorité à l'intérieur. On se dit waouh, j'ai franchement un gros monstre sous le pied. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on peut rouler en mode confort comme ça sans être trop énervé. Juste avec l'échappement ouvert, ça nous amène un petit plaisir en plus. Et je pense que ça fait plaisir aux passants. Ça, c'est le truc qu'il faudrait que je les active. Ça m'énerve un petit peu à chaque fois qu'ils montent les feux. À l'arrêt, rien qu'à l'arrêt. Franchement, juste, cette voiture me fait kiffer. Je suis arrêté, juste le glou-glou. Bon, ici, j'éteins. Alors, ça reste toujours confortable. On a la 9 G-tronic, donc 9 rapports. Ça passe de façon très fluide, en tout cas en mode confort. On va voir ce que ça donne tout à l'heure en mode sport plus et en mode race. Parce qu'on va la maltraiter un petit peu, hein. Vous me connaissez un petit peu sur la chaîne. Quand j'ai une voiture de ce style-là, mon but, c'est pas de faire que de l'autoroute. Mais en tout cas, pour la ville, on a le gros volant, Alcantara, enfin, toutes les options qui vont bien. Et c'est franchement très agréable. On a le auto-hold aussi, en appuyant un peu plus fort sur la pédale. Ça, c'est un confort également, hein. Toutes les voitures de sport n'ont pas forcément ça. Alors certes, elle fait 2 tonnes à cause de toutes ces options, toutes ces aides à la conduite. Mais... en vrai, combien de personnes vont sur circuit tout le temps avec ce genre de voiture? Pas tant que ça. Donc, je pense que c'est un plus de l'avoir. Et il y aura surtout, à mon avis, comme l'ancienne version, la AMG GT-R, qui, elle, sera encore plus optimisée. Ah, la AMG GT-R, j'avais adoré. Et justement, je voudrais voir c'est quoi la différence entre celle-ci et la AMG GT-R. On va voir ça tout de suite. Bon, me voici sur du plus roulant. J'ai quitté la ville. Pour la ville, compter un bon 30 litres au 100 de moyenne. Ça consomme un petit peu, un gros V8. On a une voiture quand même assez lourde, faut tracter, 4 motrices, des pneus comme ça. Donc voilà, c'est pas nouveau sur ce genre de voiture. Pour les relances, vous en doutez, hein, c'est assez correct. Là, je suis à 100 km/h. J'étais en 7ème, je peux mettre en 8ème. Est-ce qu'il me passe la 9? Ouais, il me passe la 9 aussi si je le force. Après, en confort, c'est lui qui décide du meilleur régime pour également faire en sorte que vous soyez au top. À 80 km/h, il me déploie l'aileron à l'arrière. Donc là, je vois un petit peu qui dépasse. Et surtout, ma touche est devenue jaune. Là, je suis à 110. Je n'ai pas fait la différence entre 100 et 110. C'est hyper bien insonorisé. C'est assez incroyable. On sent que c'est une voiture faite pour faire de la route et c'est une vraie GT comme je le disais.
avec le son qui est comment dire contrôle de vitesse aussi qui allait devant avec l'échappement fermé, c'est franchement très très correct dans l'habitacle. Là, ça passe à 70 ici quand je ralentis. On sent qu'on a quand même un gros truc qui tourne, mais c'est vraiment pas désagréable. C'est une voiture qu'on peut utiliser au quotidien, c'est une GT. On peut partir en long week-end avec, on peut faire de longs trajets. Ce sera confort tout de même, suspension pilotée et autres. Donc on garde quand même de la souplesse. C'est certes ferme, hein, mais on peut vraiment rouler avec. Là, on va passer dans un tunnel, comme ça me permet de vous montrer un petit peu l'éclairage de nuit également. Donc 70, j'ai toutes mes aides à conduite, centrage de voie, etc. Pour moi, ça reste quand même l'idéal en toujours. Ah, il faut que je tourne à droite ici. Il faut passer avant la ligne blanche, parce que sinon, il n'y a plus le droit près. Donc là, on passe de nuit. L'ambiance de nuit, moi, j'adore chez Mercedes. Je suis hyper méga fan. L'éclairage LED partout, les côtés, les bacs de porte, les aérateurs, la totale. Et même dans un tunnel, c'est hyper bien insonorisé. C'est assez incroyable. Une vraie voiture de luxe au final. C'est pas qu'une sportive, c'est une sportive de luxe. Alors, ça fait depuis 55 km que je roule, j'ai une moyenne à 14,5 litres au 100. Ça a baissé là sur la route qui roulait un petit peu mieux. Donc là, je suis à 110. Depuis tout à l'heure, il y a eu beaucoup de bouchons. Dans les bouchons, finalement, ça va, c'était pas si excessif que ça. Donc 14,4 là, je descends petit à petit. Je peux voir qu'à 110, là, ça fait une dizaine de kilomètres que je roule à 110 km/h. Je suis entre 8,5 litres et 9 litres à peu près sur la consom instantanée. Ce qui reste plutôt correct. Là, 110, je suis à 7,4 litres par exemple. Alors, c'est peut-être, ça descend un poil, mais on va dire entre 8 et 9 litres en étant à 110 km/h, ce qui reste plutôt correct pour ce genre de voiture. Donc on va continuer. Là, il va y avoir un petit boost, 130 km/h. Allez, je vais aller doubler tout de suite pour aller mettre à 130. Hop. Alors ça me dit qu'il y avait quelqu'un dans l'angle mort. Allez, je vais aller mettre à 130 tout de suite. Bien sûr, hein, toujours les aides à conduire. Depuis tout à l'heure, je me fais conduire, c'est quand même vraiment plaisant. Alors, échappement fermé, petit spoiler arrière déployé. Est-ce que je peux le refermer? Non, il peut se relever fort fort. Ok, mais soit il est relevé un petit peu, soit fort fort. À 130 km/h. On va se remettre là. Alors je suis aux environs de 2000 tours minute en 9e, un petit peu en dessous de 2000 tours minute. Alors, ça ralentit un petit peu devant. Mais c'est très agréable et 10 litres à peu près. Entre 9,5 et 10,5 à peu près de ce que je voyais en instantané. Et là, ça ralentit. Alors, c'est un jour de départ en vacances, mais pourtant, ici, on est déjà en vacances. Il y a beaucoup de bouchons aujourd'hui. La 6, c'est toujours comme ça. Je sais pas pourquoi. Et d'ailleurs, là, avec toutes les assistances, les aides, la technologie, je peux voir que là, c'est principalement typé propulsion. Et quand j'appuie fort, ça va passer en 4 roues motrices. Donc, le but, c'est d'essayer de réduire un petit peu la consommation et pas forcer sur les 4 roues. À 130. On sent que c'est une voiture qui est faite pour faire de la route. Les bruits du vent sont sérieusement bien contenus. J'entends juste un poil de vent là ici, au coin de la fenêtre, mais très très léger parce qu'il y a un petit peu de turbulence. Mais à part ça, j'ai clairement envie de faire de la route avec cette voiture. La Sono Burmester, un régal comme d'habitude chez Mercedes. Et bon, voilà, 14 litres hein, là à peu près. Donc ça baisse. Donc, sur du mixte. Si vous faites du mix, on va dire aller à 15 litres, parce que moi j'y vais vraiment à la cool, on va pouvoir accélérer un petit peu plus, mais je pense qu'un 15 litres sera raisonnable. En ville, un 30 litres à peu près, mais sur l'autoroute comme ça, je pense qu'on arrivera à descendre à 12 litres au 100 à peu près. Bon, me voici arrivé sur des petites routes de campagne où c'est vraiment dégradé. On va pouvoir tester justement cette suspension pilotée. Et depuis tout à l'heure, partout où je roule, les nids de poules et autres, pour arriver jusqu'à là, bien, je sens que ça en fait une voiture vraiment typée confort. Là, il y a un gros trou par exemple. C'est hyper agréable. Le côté 4 roues directrices, ça c'est quand même le truc le plus incroyable sur les voitures de nos jours. Ça donne un dynamisme
fou. Et surtout, la façon que ça bougeait, on se dit, mais on dirait vraiment un serpent chaque fois qu'il se déplace. Donc là, même sur les anomalies, en roulant à bon rythme, alors on va essayer de ne pas péter une jante, mais parce qu'il y a des nids de poules incroyables. On sent que c'est ferme, hein, que le châssis est super solide, mais alors ça ne s'appuie pas, ça prend pas de roulis, ça reste bien à plat. Enfin, on sent un tout petit peu pour garder le côté confort. Après, si je passe en mode sport plus par exemple, là ça... Ouais, la direction change, on a un feeling différent, la direction est beaucoup plus lourde, on a l'impression que ça y va plus rapidement, mais même en mode sport plus, bah pour rien vous cacher, c'est pas si ferme que ça. Je suis assez bluffé. Hop. Merci monsieur, c'est bien poussé, c'est pas tous les gens qui le font, et des fois qu'on a des grosses voitures, les gens on se dit bon alors, là-haut. Et après, même en confort. Même en confort, ça y va super bien. Assez bluffant. Alors, elle tombe pas les rapports à fond tant qu'on est on n'est pas full gaz. Alors là, attention, le gros trou. Alors, l'amortissement est très très bon. Et même en confort, elle est full gaz. Il y a une sorte de téléportation là. Là, je suis pas au kick down. Si je fais kick down, là, il met toute la puissance. Et... j'ai l'aileron arrière qui se relève lorsqu'on freine. Ça, c'est stylé. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Donc, ça, je suis en mode confort. Mode sport. Mode sport, il amène un petit peu plus de bruit. C'est un peu plus réactif. L'impression d'avoir un peu plus de puissance, mais pour moi le sport il sert à rien. Pour moi c'est confort ou sport plus, voire race, mais sport plus. On a un bruit encore bien différent. Ça sort aussi des haut-parleurs avec un micro qui est intégré au niveau des chapons qui retransmet ce qui se passe là, et on a quelque chose de plus réactif. Et c'est efficace. Alors, au passage de rapport, on n'a pas d'à-coup, ça perd pas de couple. C'est hyper rapide, hyper efficace. On sent que ça souffle, que les turbos, là, ils sont là. Wow. La petite route habituelle où il n'y a absolument personne. Pied à fond sur le frein. Il me tire. Waouh. 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 100. Même plus que 100. Ah, la ceinture, par contre, en launch control, elle vous serre à fond comme si vous alliez avoir un accident. C'est assez bluffant. Waouh! Ça marche, hein? D'où Jésus? Hi! Là, là! Ouh là là! Quatre roues motrices, ça motrise tout le temps, ça tracte, on a les pneus chauds. Là, j'ai les pneus à 40 degrés à peu près. Bah, je suis assez bluffé, hein? Me voici arrivé sur ma petite route préférée. On va pouvoir tester ce que ça donne dans le sinueux de façon très sportive. Ouhouhouhou! Ouh, ça marche. Le châssis est quand même assez incroyable. Ouh, la M1000 RR. Oh, doux Jésus. Les accélérations sont assez folles. Alors la ceinture me tire par contre. Ça c'est le truc que j'aime pas. C'est toutes ces aides. La ceinture me sert trop. Mais... ça me sert vraiment trop et c'est désagréable. Parce que je suis en sport plus, elle devrait savoir, mais là ça me sert comme un harnais. Et... ça marche. Et je sens pas du tout le poids par contre. La ceinture s'il te plaît là. Ah merci. Ah la ceinture c'est hyper désagréable. En plus j'ai une petite envie de pipi et ça me sert sur la vessie. Et d'ailleurs, c'était arrivé à un collègue à moi. Je travaillais à SNCF à l'époque, il y a eu un accident et ça m'a toujours marqué. Quand on a envie de faire pipi sur un accident, il s'était déchiré la vessie. Voilà. Mais putain, la voiture, vache! En fait, j'ai pas l'impression que ça pèse 2 tonnes. Ça marche. Et en fait, quand on est haut dans les tours et que les turbos soufflent à plein régime, là c'est assez bluffant. Et je sais pas, j'ai pas le temps de regarder trop ce qui se passe là, mais on voit toutes les roues, etc. Ouh, la vache! Le launch control dans un petit tunnel. Oh.
plus sympa. Donc là, je suis passé en mode race, voir ce que ça donne. Mais la ceinture, je voulais voir si ça me serrait la ceinture quand même. Mais oui, ça me serre la ceinture quand même. Malheureusement. Et c'est assez déconcertant comme moto. En fait, on sent pas les deux tonnes. Les accélérations sont brutales. Et alors, ce qui est top ou pas, c'est que c'est devenu une 4 roues motrices. Donc ça permet de garder vraiment du grip tout le temps. Et bah, on peut accélérer très tôt en sortie de virage. Et en fait, ça va motricer et pas juste partir en glisse. Et vache. Frédéric, coucou, vous le connaissez normalement. Ouais, normalement, ça y est, super bien. Ils vont en avoir marre de moi. Chaque fois, Fred, à chaque fois qu'il y a un V8, un truc puissant, plus de 5, c'est rare que tu viennes dans les trucs de moins de 500 chevaux. Non, ça m'intéresse pas en dessous. Ouais. J'ai aucune sensation en dessous de 500 chevaux. Bon, aujourd'hui, donc là-dedans, faut plutôt me faire un petit tour. Ouais. On va voir, tu vas voir, c'est rigolo. Okay. Donc là, on est en confort, on va passer en sport plus. Ah. Échappement, la sonorité change tout de suite. Ah ouais. Ah, c'est bien ça. Tu passes un petit quelque chose hein. Ouais, ouais, c'est un petit peu d'émotion là. Et j'aime bien, tu sais, quand la voiture est. Ouais, c'est particularité des V8, ça c'est vrai, j'adore aussi. Dès que tu mets un coup de gaz, ah, c'est le truc rigolo. Mais surtout, tout ça là, avec le moteur, les trucs, les puissances, et tu vois tout qui avance, le couple. Ouais, c'est très, très beau ça. J'aime bien. Et tu vois toutes les puissances, les températures, les consos. On va pas mettre les consos parce que ça. Tu veux pas mettre les consos? Non, non, bah non. Ah, c'est, bah, ça, ça va me faire déprimer. Bon. Ça c'est bien ça. Ça tu vois, joli. La pression du turbo. Ouais. Ouais. C'est quand il va souffler et oui, tout. Oui, et qu'il va se mettre en charge. Bon Fred, viens, on va le charger parce que ça suffit. Oh là là, ça y est, il commence. Non mais voilà, il faut au bout d'un moment. Oui. Bon Fred, oui. On est sur un petit bout de route fermée. Ouais. On peut s'amuser comme on veut. Ouais. T'es prêt? Oui. Bah, il y a le pied sur le frein. Ah là là. Ça tire la ceinture. Ça pousse un peu hein. Ça pousse un peu hein, tout de même. Hein. Par contre, tu vois, moi, il y a un truc qui m'agace. T'es encore ceinture, serré là. Ouais, je suis encore bloqué là. Je bouge plus. Ça, c'est vrai que c'est un peu agaçant. Et en fait, tu es serré autant que dans un harnais ouais. De ouais. Circuit. Ah, ça y est, elle se libère un peu. Pas moi. Ah, pas toi. Et bah alors. Elle m'a dit non, toi, non, tu restes attaché. Toi, t'es trop méchant. Et, t'as en, dit. Et en vrai, tout à l'heure, j'étais obligé de l'enlever ouais. Et de la remettre parce que ça me serrait vraiment ouais. Trop. Et en vrai, je t'avoue que c'est ça, un c'est petit agaçant. Peu trop. Ouais. Bon. Bon alors. Qu'est-ce que ça donne au virage? Fred, toi, tu ne connais pas le poids de cette voiture? Pas du tout. Tu dirais combien? Sur l'accélération, j'ai pas trop de feeling, mais c'est surtout sur le freinage. Même si t'as pas freiné très fort, on sent un petit peu le gabarit. Je dirais pas loin de 2 tonnes à mon avis. Ouais, on est à 2 tonnes. 2 tonnes ouais. Ouais, tu vois. C'est vrai qu'à l'Axel, ouais, on sent pas du tout. Ouais. En ouais, virage. Non, en virage non plus, tu sens pas, elle est agile. Par contre, un peu sur le freinage. Bah, au freinage, on sent un peu le poids. Ouais, on sent un petit peu le poids sur le freinage. En effet, cette ceinture est relativement agaçante. Je respire plus. Ouais. Ça peut pas s'enlever, ça? Je sais pas trouvé. Ah, et pourtant, on est en mode race pour ouais. Faire du circuit. Ouais. Normalement, ouais, ça devrait. On a trouvé un truc qui s'appelle mode circuit, mais pour le mode circuit, il faut tout désactiver. Alors, je sais pas si, au moins, elle va peut-être pas nous serrer les ceintures pareil. On va voir. Ah, ah ça pue les ceintures. Ah bah voilà. Ah, c'est mieux. Ah, il faut vraiment mettre le mode circuit. Ouais.
tu as vu en haut, ouais, il se passe quelque chose. Ouais, c'est clair. La poussée de la première, elle est bien, hein. Carrément. Et... avec une belle allonge. Ce qui est impressionnant, c'est quand le turbo souffle vraiment à fond. Ouais, quand ça a vraiment toute la pression. Et... haut dans les tours, là, tu sens qu'il se passe un truc. Ouais. Ça reste vraiment tout le long, incroyable. Une bonne poussée tout du long. Bon alors, cette Mercedes AMG GT 2024, qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, je vous avoue que j'aime beaucoup. Alors, pourquoi prendre celle-ci et pas une SL? Parce que clairement, j'ai vraiment trouvé que c'était la même chose. Là, vous avez juste un coupé. La Mercedes SL, maintenant, est une version cabriolet avec le toit souple. Ce qui à l'époque avait quand même des toits rigides. J'aimais bien le toit rigide quand même parce que ça des coupés cabriolets. Là, on a une version coupée uniquement. Pourquoi celle-ci? Franchement, je ne vois pas forcément d'autres raisons puisqu'à l'intérieur, on a quasiment la même chose. C'est dans tous les cas, c'est des 2 plus 2. On a les mêmes technologies. Ça reste une excellente voiture. Et ce que j'aime bien, c'est que ça peut être la voiture du quotidien si on a une carte essence. Parce que sinon, je suis content quand je la rends, j'avoue. Après... les 4 roues directrices la rendent hyper maniable. Le châssis reste confort. On a une belle sonorité. Je pense qu'une petite ligne, si on veut faire un peu plus de bruit ou vraiment s'amuser, ou qu'on ait un petit peu un petit kéké, quoi. Mais j'en suis un gros kéké. Hein. Plus de bruit, ça ne m'a jamais dérangé. Mais bref, voilà, un look qui a changé, que j'aime bien. Différent, et je préfère l'arrière de celle-ci comparé à l'ancienne. Alors n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous préférez le look de celle-ci ou de l'ancienne? Perso, là, je suis assez fan. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu comme ça, à vous abonner. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine auto. Et c'est un petit truc sympa ça quand même. Hein. J'ai bien aimé. Bon allez, à bientôt. Ciao.